Hey hey, salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Alors le mois dernier je t'avais dit une bêtise, je t'avais dit que c'était la dernière vidéo Bullet Journal avant l'année prochaine, mais finalement non, il y avait encore celle-ci qui allait arriver, j'y avais oublié. Donc voilà, la voilà, c'est maintenant. N'importe quoi. Et donc aujourd'hui on va faire le Plan With Me du mois de janvier. Mais avant ça, on fait une présentation pour 2020. Bah oui, c'est avec la nouvelle année. Alors je n'ai pas fait comme l'année dernière j'ai fait plein de trackers, plein de pages qui m'ont servi à rien, que j'ai jamais utilisé, donc cette année j'ai voulu faire au plus simple et juste une double page pour annoncer la nouvelle année, 2020. Et pour ça j'ai représenté un joli petit champignon, une maison féerique, parce que j'adore tout ce qui est féerique, voilà. Donc c'est un dessin très enfantin, et voilà, c'est pas génial, il y a plein de défauts, mais moi je l'aime bien quand même parce que je l'ai fait moi-même, et vu que je suis nulle à chier en dessin, et bah je suis contente. Et du coup maintenant on passe directement au mois de janvier. Et pour ce mois de janvier, bah, j'ai voulu faire un thème qui me tient énormément à cœur. Quelque chose que j'aime par-dessus tout, je pourrais jamais m'en passer. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que je n'écoute de la musique. C'est primordial dans ma vie la musique. Donc c'est pour ça que j'ai fait le mois de janvier sur le thème de la musique. Voilà. Et on retrouve le mois de janvier sur une partition de musique aléatoire. Et à côté, une jolie citation qui concerne la musique, bien évidemment. Et donc pour ce thème-là, j'ai choisi des couleurs très simples, du noir, du doré, de l'argenté et un tout petit peu de gris. Voilà, voilà. Donc l'argenté, il se voit pas vraiment, mais avec le soleil, enfin si on peut appeler ça le soleil, ça fait un petit côté brillant. Sur la page suivante, eh bien, on retrouve le calendrier et le tracker, ce que j'ai fait exactement comme le mois dernier parce que finalement j'aime bien ce nouveau concept, ce nouveau format. Il me va très bien, donc je l'ai refait, tout simplement. Et j'ai rajouté quelques petites notes de musique pour faire le rappel. Donc toujours avec les mêmes couleurs, noir, argent et doré. Et on commence avec la toute première semaine du mois de janvier et j'ai voulu faire des petits pianos, ou plutôt des petits synthés de chaque côté. Vu que la première semaine commence un mercredi, j'avais 2 jours de moins, du coup j'ai pu me faire plaisir avec des petits pianos. Des touches de piano plutôt. Ouais, ça sera plus... C'est mieux comme ça. Pour la deuxième semaine, eh bien, c'est des partitions de musique qu'on retrouve en haut et en bas, et au milieu, les jours de semaine, tout simplement. Alors, à chaque fois sur les semaines, j'ai changé de couleur. La première semaine, c'était en doré, la deuxième, c'est en argent, la troisième, en doré, etc., etc. Ce n'est qu'un détail. On enchaîne avec la troisième semaine et là j'ai fait des grosses notes de musique pour rappeler vraiment le thème, à fond les ballons et en plus en doré ça ressort à mort. La quatrième semaine, et bah j'ai replongé dans le temps, dans ma période de quand j'étais petite, et j'ai fait des petites cassettes, non, c'est des cassettes audio, tout simplement. Alors dans son plus simple appareil, hein, j'ai fait vraiment minimaliste, hein, j'ai pas fait tous les détails. Et la dernière semaine, j'étais obligée de faire ça. C'était une évidence, c'est de faire une grande guitare sur la dernière page. Puisque la dernière semaine se termine pas un vendredi, j'avais de la place, donc du coup, voilà, j'ai fait ma grande guitare. Ouais, elle est un peu tordue, hein, mais je suis quand même contente. Voilà, et c'est tout. Et donc voilà en ce qui concerne mon mois de janvier dans mon bullet journal. Donc j'ai encore de la place pour faire le mois de février, mais après je serai obligée de prendre un nouveau bullet journal parce que j'aurai plus de place. Mais ça on s'en fout, ce n'est qu'un détail, encore.
Donc voilà pour mon bullet journal du mois de janvier, c'est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est très minimaliste, hein. Je suis restée vraiment dans des petits détails, mais bon, c'est ce que je préfère faire, et puis parce que je sais pas dessiner, hein, je l'ai déjà dit, donc je fais au plus simple. Voilà, donc j'espère quand même que cette petite vidéo t'aura plu, voilà. Donc toi, n'hésite pas à me dire ce que tu as fait dans ton bullet journal du mois de janvier, et puis si t'as fait une vidéo, je serais très contente d'aller voir ça. Ou même si tu veux partager des photos sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, moi je suis super contente. Donc voilà. Moi-même, je partage tout ça sur les réseaux sociaux, donc bref, on s'en fiche. Donc du coup, voilà, j'en ai fini avec ces vidéos, je vais arrêter mon blabla, et je te fais tout plein de gros bisous. Et pour le coup, là, cette fois-ci, c'est sûr et certain, on se retrouve l'année prochaine pour le Plan With Me du mois de février. Et puis voilà, alors tout plein de gros boutous, de poutous, et à très bientôt. Bye.